parole de Dieu, vous ouvrez la compréhension réelle. La première heure, l'heure du Père. Le Père est venu, la fin des temps partie. La deuxième heure, c'était l'heure du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est venu, il a accompli le sacrifice pour que tous les hommes soient sauvés. La troisième heure, c'est la descente en infusion du Saint-Esprit sur Père. Je me rends témoignage, les gens qui ne croyaient pas. Faya Roche qui prie souvent chaque aborotina. Fais venir cette femme, fais-la. Elle se la connaît, fais venir cette femme. Raya, on va vous prier maintenant. Demandez-lui si elle est venue avec sa carte d'identité. Tu as ta carte d'identité. Faut envoyer. Fire! Chéya, il a faute! Chéya! Comment est-ce que tu es puissant? Tu es dans une autre dimension. On n'a pas besoin d'aller voir ma la pointe de l'histoire. Elle ne sait pas venir à voir la côté d'elle. Mais qu'est-ce qu'elle est très fort? Et bien, la chambre des personnes à côté. Fire repose. Fire brille dans le chili mot. Fire dans la peau. Fire. Fire. Fire repose. Fire attrape. On attend, venez attraper, s'il vous plaît. Attrapez sa carte d'identité. Ça va chez vous. Attrapez sa carte d'identité. Attrapez. Mettez ça. Mettez ça. Mettez ça haut. Est-ce que vous croyez que Dieu peut montrer tout? Est-ce que vous croyez en ça? Non, attrapez vous-même. Attrapez-les, préparez-vous. Je vais dire des choses dessus. Acclamez d'abord le Saint-Esprit. C'est ça, donc, si Dieu va l'élever. Je vous assure, elle sera très riche. Elle sera très très riche. Yes. Elle sera riche, je vous dis qu'elle sera très riche. Elle sera très riche. Yes. Elle sera très très riche. Sylvie. Oui. Sylvie. Oui. Attendez. Merci. Je vais vous donner le numéro de série de sa carte d'identité. Attention, elle a dit, c'est pas ça. Regardez, je veux deux personnes, si vous ne croyez pas. Deux personnes, une autre personne à côté. Allez-y. Mes yeux sont ouverts, vous ne pouvez pas comprendre. Ma petite, voilà, c'est pas grave. Si tu ne peux pas. Numéro de série, regardez bien. Ça commence par C, c'est ça, non? C'est C, n'est-ce pas? Oui. C'est. Regardez, regardez, laissez. C'est C. Zéro. Oui. Zéro. Oui. D'accord. Attendez. Sept. Oui. Cinq. Oui. Huit. Oui. Huit. Oui. Cinq. Oui. Un. Oui. Trois. Oui. Six. Oui. Six. J'entends dans mon oreille le nom de son père. J'entends Sidibé. Et j'entends Abou. Silas Sangaré. Maman. Maman.
la gloire de Dieu. Tonton, ça va? Vous-même? Ça va. Ça va? Ça va. Je suis né en mai. Mais ça vous dit quelque chose? Oui. Vous êtes quoi? Un mois. Le même mois de mai, c'est quoi pour vous? C'est moi. Moi aussi, c'est moi. Mon mois de naissance. C'est un musulman, mais non, bien. Oui. C'est pour ça que c'est un musulman. Mois de mai? Oui. Corée, c'est qui? C'est moi. Je vois une grande ouverture dans votre vie. Amen. Je vois une grande bénédiction qui va venir. Amen. Je vois une grande force financière. Amen. C'est beaucoup. C'est trop même. Amen. Vous serez étonné pour moi. La gloire de Dieu qui va venir sera extraordinaire. Amen. Michel, c'est qui? C'est moi. Oh God. Non, si tu t'appelles Michel, ma petite. Bon, c'est la même chose. Toi, tu t'appelles Michel, tu parles comme toi, il te connaît. C'est pas toi, c'est lui. Toi, je te connais. Bien même. Tonton, la gloire de Dieu sera sur vous. Amen. Depuis votre enfance, vous avez été très intelligent. C'est donc laquelle vous avez fréquenté les grandes écoles. Amen. Les grandes écoles. Comme les grands corps, comme Yann Sokou. C'est pas. Vous avez fréquenté Yann Sokou? Oui, j'ai fait une SCP. Ça, c'est où ça? Yann Sokou, j'ai devenu INPHP. INPHP. Il fallait laisser elle continuer. La gloire de Dieu, c'est un signe que Dieu vous a donné. Dieu vous a pris de votre famille pour vous élever. Merci de la bénir, Seigneur. Merci de la restaurer, Père. Moi, je ne la connais pas. Toi, tu la connais. Saint-Esprit, tu te manifestes puissamment. Saint-Esprit, tu la restaures. Saint-Esprit, tu la restaures. Fire! Tu m'as déjà vu? Tu m'as jamais vu? Lève-toi, viens. Tu connais quelqu'un ici? Tu connais quelqu'un là? Tu connais quelqu'un ici? Tu connais le frère là? Tu connais tous ceux qui sont là-bas? Non. Pour la dame qui est assise là-bas, tu la connais? Non. D'accord. Tu connais mon tonton qui est ici là? Non. Tu connais ici? Personne. Sois béni. Amen. Éclate-moi le Saint-Esprit. L'autre nom chegue de bri qui a pour le saï de pile. L'autre nom chibi qui a tout saï en polobigi. L'autre nom chica rabaga da oué saï de pile au chica rabaga. L'autre nom chèque de bri qui l'in chiribos kabira kalama intolor. Je te donnerai le nom de ton ethnie, le nom qu'on t'a donné dans ton ethnie. J'entends au poli, c'est qui? C'est qui? C'est moi.
as été travaillé. Le Saint-Esprit me dit que tu as été travaillé. Raison pour laquelle, depuis lors, tu ne comprends pas, ta vie est un perpétuel recommencement. Tout ce que tu entreprends ne bouge pas et ne marche pas. Actuellement, c'est les difficultés, c'est les blocages, tu ne comprends pas. Tu as tout essayé, ça n'a pas marché. C'est toujours bloqué, toujours difficile. Et le Saint-Esprit me dit que le problème vient de Thibaut. Alors, je vais vous demander. Je te vois dans une salle de classe. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a eu un travail qui a été fait. Tu étais excellent dans ce travail. Tu excellais très bien à l'école. Les choses allaient très bien, tu étais même parmi les meilleurs. Et tu m'as remarqué que tu étais un rassembleur. Tu étais celui-là même qui était pratiquement devant un groupe d'élèves. On aimait te mettre devant. Toi-même, tu le faisais par moment, mais tu aimais devant. Le côté chef était en toi. Mais le Saint-Esprit me dit qu'il y a eu aussi un travail qui a été fait. Et j'entends dans mon oreille éouler. C'est un poulet qui est fréquenté. C'est quoi? C'est un poulet qui est fréquenté. James, quelque chose comme ça. Saint-Esprit de gloire, je prie maintenant que cette malédiction diabolique, cette malédiction démoniaque, je vois une jeune soeur que tu aimes bien, mais je vois des Korogo, c'est qui? Elle est où? À Korogo. Le troisième don, c'est le don de révélation. Le don de révélation te permet de pouvoir dire la vie des gens. Quelqu'un là, tu le regardes et puis tu lui dis son problème. Ici, c'est les nouvelles personnes en majorité. Madame, ça va? Ça va bien? Ça va combien de fois de venir ici? C'est ma première fois. C'est ma première fois de venir ici. Vous connaissez quelqu'un ici? Vous me connaissez? Vous me connaissez? Non, papa. Non, papa, prophète. Vous connaissez mon frère là? Vous connaissez ceux qui sont là-bas? D'accord. Le don de révélation permet comme ça, attendez. Vous connaissez les dirigeants de prière là? Les dirigeants qui sont là, vous les connaissez? Personne. D'accord. Ça tombe bien, j'aime ça. Moi-même, j'aime ça même. Vous ne connaissez personne. D'accord. Quand je vous regarde, par exemple, je vois la carte du Cameroun. Vous êtes quoi? Camerounais. Je ne suis pas camerounais. C'est le don de révélation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Regardez-moi. On vous a lancé un problème. Madame, je ne vous connais pas, mais ils ont mis une malédiction autour de vous. Vous aimez bien Dieu, mais il vous faut cette grâce de Dieu pour vous aider à décoller. Depuis votre jeunesse, ça a été toujours comme ça jusqu'à aujourd'hui. Ils ont bloqué votre mariage. Mariage là, vous ne connaissez pas ça. Ils ont fermé dessus. Grâce de mariage là, vous ne connaissez pas. Ils ont bloqué ça. Ce qui fait que vous êtes resté pratiquement toute seule. Vous êtes posé la question de savoir, mais est-ce que vous avez péché? C'est toujours votre question que vous posez. Est-ce que c'est parce que j'ai péché? Ou bien vous posez la question, jusque là vous ne trouvez pas de réponse. Voici mon micro. C'est vrai. Hein? C'est vrai, papa. Le Saint-Esprit me dit de vous dire, aujourd'hui même, vous êtes venu ici, c'est un plein air, mais vous êtes venu prendre votre grâce. Yes. Quand vous allez partir d'ici, l'action qui a été lancée contre vous sera brisée dans le nom de Jésus. Vous serez libérés. Vous serez délivrés.